Son rêve d'enfant, c'était conduire des camions. Et elle l'a réalisé. Cindy Van Snick est chauffeur poids lourd. Vous avez des choses à vérifier avant de partir ? Oui, on doit regarder les pneus pour voir s'il n'y a pas d'accident, quoi que ce soit, ou des fractions qui se sont passées pendant la nuit, comme les vols d'essence, ce qui nous arrive très souvent. Un métier qu'elle adore, elle le pratique depuis 2 ans, malgré les difficultés. Surtout quand je roule maintenant, c'est décharger les camions. Parce que je ne le fais pas assez régulièrement que pour savoir soulever une palette avec un transpalette manuel de plusieurs centaines de kilos. Son quotidien, c'est jouer avec les bébés, leur donner à manger, les longer et les mettre au lit. Depuis tout petit, Valentin Tonon adore s'occuper des enfants. Nous, ce qu'on prend plaisir, c'est qu'eux s'amusent principalement. C'est ça notre plaisir. Et donc là, vous fabriquez des cupcakes, c'est ça ? Oui, pour qu'eux puissent les goûter chez eux, à la maison. Les études de puériculture se sont naturellement imposées. Seul homme de sa promotion, il est aujourd'hui le seul élément masculin d'une équipe 100% féminine. Je sais que j'étais puériculteur, c'est vrai que les regards, j'avais des drôles de regards en me disant « Tiens, puériculteur, un garçon dans une crèche, c'est bizarre, moi je ne l'accepterai pas. » Ici ça se passe comment, avec, notamment avec les parents ? Super bien. Au début c'est vrai qu'ils avaient un peu peur, mais bon après ils s'habituaient, le feeling est bien passé. Homme dans un univers féminin, femme dans un univers masculin, Cindy aussi a dû se faire sa place. Quasi tous ses collègues sont des hommes. C'est sûr que c'est pas facile déjà de s'intégrer dans un milieu d'hommes, parce que quand on conduit, on a souvent des remarques « Oh, une jeune fille au volant !» et non, c'est pas si simple que ça. L'un et l'autre en sont convaincus, leur métier gagnerait à être plus mixte. Ce serait bien parce que quand je vois la relation que j'ai avec les enfants, franchement, c'est quelque chose de chouette. Même eux, les enfants sont contents quand ils me voient arriver. Ils sont pas Valentin. Ils sont contents de me voir. Est-ce que dans le regard des hommes sur les femmes dans ce métier, est-ce que vous avez l'impression que ça change aussi ou pas du tout ? Oui, parce qu'ils se rendent compte qu'une femme sait faire exactement le même métier qu'eux.